Bonjour tout à tous, c'est Fab et Jérém, Centurious Game. Et pas seulement Jérém, je suis bon, Fab, Jérém et Clo-Clo, il y a l'équipe au complet. Ah, t'as mis enregistré là? Ouais, ça y est, ça enregistre. Ah putain, tu préviens pas toi? Ah, comme ça, je te dis que ton intro, je le fais avant. Oh, donc, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui avec. Tu dégages tes putains de marques, toujours, hein, toujours. Si tu l'as dégagé, le problème. Oui, c'est vrai que c'est trop cher. Voilà, avec toi, beaucoup, Clo. Ah oui, c'est. Ouais, on l'a invité quand même, ouais. Voilà. Ah, parce qu'il fait partie de la chaîne, bah, bon. C'est ce qu'il faut se dire. De toute façon, bon, on a une chaîne qui est bon, qui est quand même assez réputée, assez connue. Oh bah ça. Et du coup. C'est vrai qu'aux Philippines, elle commence à être numéro 1. Philippines. Il y a Pine. Il y a Phil. Donc du coup, aujourd'hui pour la vidéo des 4 ans de la chaîne. Je pense qu'on s'est quand même pas mal amélioré finalement par rapport au début. Hein. Alors, du coup, on va faire une vidéo assez rapide. Ouais. Parce qu'en fait. En gros, tu me dis de fermer ma gueule quoi. C'est ça. Ok. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un best-of derrière qui est de 1h15. Donc faut voir déjà. De toute façon, quand vous allez voir la vidéo, vous n'avez pas cliqué donc vous verrez pas ça. Donc ça, c'est bon. On va commencer peut-être par le top 3 de l'année. Et bah attends, j'ai tout noté. J'ai pris la précaution avant de venir de tout noter. Alors, c'est pas vrai. Du coup, dites-nous, Jérémy, quel est donc le top 3? Et bah attends, alors, on va commencer du coup par le numéro 3, évidemment. On va commencer par le numéro 3. Alors, sur le classement pour cette année des vidéos les plus vues. Voilà. En numéro 3, roulement de tambour. Voilà. Herzelai. En live. Juste là. En live. Sur le avec le casque VR. Le casque VR, voilà. Avec grande nouveauté de la chaîne, hein, acheté le casque VR. C'est vrai qu'on a fait une vidéo, mine de rien, quand le casque est sorti quasiment. Mmh. Ouais. Et grosse révolution quand même dans le jeu vidéo, y'a pas à chier. Franchement, moi j'en ai pris plein la gueule. Je ferai un montage avec Brazzers. Non, j'en ai pris plein la vue, c'est surtout avec le jeu d'horreur Resident Evil. Voilà, de toute façon, famille est immature. Moi j'en peux plus. Ouais. En numéro 2. Numéro 2. Alors, Harvey Man, Siege Heroes, Sage 2. Heroes 2, qu'on a fait 60. 60 vues. Voilà. Voilà, voilà. Bah, le problème, c'est quand on joue tous ensemble, chacun chez nous, et qu'on fait un live, bah, on a une qualité d'image qui est pourrie quoi. On a essayé sur Call of. C'est sur Call of, c'était une catastrophe, l'image était nulle. Ouais. J'étais à pareil, alors pourtant on s'est éclaté dessus, mais ça malheureusement on peut rien y faire. Bah non, mais c'est un petit goût, je ça malheureusement on peut rien y faire, à moins d'avoir la fibre, mais nous on a une connexion de merde. Hein. Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. Hein. Mm. C'est-à-dire que même nous on se rend compte que c'est pas regardable, hein. On a essayé de. Quoi. Oui. Et du coup on est à genre 240p, un truc comme ça, donc c'est tout pixelisé, c'est dégueulasse. Quoi. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. On passe au numéro 1. Ouais. Numéro 1, du coup le top 1. Le top 1, roulement de tambour Clo-Clo. Non, je t'ai pas dit de ronronner, c'est de roulement de tambour. FIFA 17 avec 123 vues. Toujours FIFA, oui, bah, qui est là, FIFA quand même. Toujours FIFA, mine de rien. C'est vrai que maintenant on a supprimé les vidéos qu'on avait fait à l'époque sur FIFA. Ouais. Mais on faisait pas mal de vues. Hein. Le FIFA, il y avait un FIFA, on a fait beaucoup de vues. Bah, FIFA 14, on avait fait 22 000 vues. Voilà. 22 000 vues. Mais en fait, ouais, voilà, c'est qu'on est parti sur des jeux maintenant anciens, PS2, tout ça, PS1, tout ça. Mais on garde maintenant ce qui nous permet de faire des jeux plus récents, c'est de faire des lives. Mais du coup, on va arrêter ça. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'on aime bien faire ça, parce qu'en plus, on joue aussi avec les potes, avec les miens, tout ça. C'est sympa, et en plus, on se marre bien. Vous allez voir dans le best-of, il y a beaucoup de best-of d'ailleurs qui viennent des lives. Mais le problème, c'est que c'est pas regardable. C'est pas regardable quoi, donc, du coup, en fait, maintenant, on va toujours faire des lives, mais plus sur des jeux récents, on fera que sur des jeux PS2 ou PS1. Voilà. Parce que voilà, nouveauté aussi de la chaîne. Mm-hmm. C'est encore dans le désordre, comme d'habitude, on ne dit jamais les choses dans l'ordre. Mais on fait des jeux maintenant PS1, Super Nintendo. On est remonté plus loin, Super Nintendo avec Donkey Kong. Ouais, Donkey Kong, Killer Instinct, que vous allez voir bientôt sur la chaîne, pas encore, mais vous allez voir. Top 3 de la chaîne. Top 3 de la chaîne. C'est-à-dire les meilleures vidéos. Voilà, de la chaîne depuis sa création en 87. Ouais, ça remonte déjà, ça remonte. On avait 4 ans. On avait déjà du contenu, on avait des choses à dire. Ouais. T'es peut-être un peu plus quoi. Bon. Alors, numéro 3. Hein? Non, je le disais, on pourrait aller sur le balcon. Ah, le balcon, t'as pas un avec le balcon toi? Prendre l'air un peu. Ah oui? Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Hein. Bon, il fait une chaleur. Alors, ça, c'est la région. Oh, t'étouffes. Mais oui, c'est un entonnoir derrière, je sais plus comment on dit. Ouais, effet de serre. Pourquoi non, entonnoir. Ça, t'as un problème, c'est noir.
Alors, vas-y, top 3 du coup. Top 3, hommage à Shumi. 1352 vues. On est là. Ouais. Bah oui, en sens, s'y attendait pas, mine de rien, parce que. Bah j'avais fait de putaclic, donc j'avais fait en sorte. On s'est fait copieusement insulter, d'ailleurs, ouais, vous pouvez toujours le voir sur la vidéo. Non, mais ouais, non, c'était non, tout simplement. Vraiment... Non, parce que moi je suis, voilà, je suis fan de. Enfin, c'est mon héros, quoi, c'est ma légende. C'est ton fils à bataille. C'est mon fils. Et voilà, donc du coup je me sentais obligé de faire une vidéo hommage. Mais pourtant on jouait quand même le jeu quoi. On... Oui, oui, bah oui, bah c'était une vidéo sur la fin 2012 à l'époque. Parce qu'on est une chaîne de jeux vidéo, donc c'est normal qu'on fasse du jeu vidéo. Donc voilà. C'est la miniature qui a pas dû plaire. C'est enfin, c'est comme ça. A dû changer, voilà. Numéro 2. Alors t'as pas dit les vues toujours. Hein. Si, j'ai dit 1352, tu regarderas dans la vidéo. Il bon, je l'ai dit. Enfin, une merde, tu me saoules. Tu fais ça, mon coup. Enfin, non, je disais. Ouais. Tu disais quoi? Dis qu'on se presse, sinon les gens s'emmerdent. Voilà. Ah. Heureusement que c'est le clope aussi parce que. Ouais, alors, numéro 2, James Bond espion pour cible avec 2007. Nous étions avec Damien. Nous étions avec effectivement le, avec Damien. Le Damien. Le l'entonnoir. L'entonnoir. Numéro 1, alors ça on comprendra jamais. On a première vidéo, qualité de son médiocre, image. Médiocre, ouais, image, ça allait, c'était passable, mais Ah si en plus c'était vachement sombre. Enfin bref, c'était Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets, voilà. Et qui a fait quand même 10 990 vues. Cette année, la série qu'on a fait, c'est la série Clopo sur Ratchet & Clank, qu'on avait bien faite. Mais c'est vrai qu'en revoyant les vidéos, ça n'a pas marché, et puis je comprends, c'est vrai que c'était un peu mou, on n'était pas toujours dedans, on galérait surtout moi. Il y a un truc de prendre, mais automatique. Toujours, c'est vrai, c'était un jeu qui n'était pas évident. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai décidé pour les prochaines vidéos, du coup, de refaire des séries comme avant, c'est-à-dire des vrais. Parce que c'est vrai que ce qui était dommage dans Ratchet & Clank et toutes nos séries qu'on faisait récentes, c'est qu'on coupait beaucoup. Et du coup, on loupe quand même pas mal de passages. Il y a des gens qui veulent voir, par exemple, ne serait-ce que pour avancer dans le jeu. Par ouais, s'ils sont bloqués, admettons, ouais. Et le fait que ce soit coupé comme ça, je pense que ça gêne un peu, même pour se rentrer dans le truc. Et du coup, j'ai décidé, bah là, pour ma prochaine série que vous allez voir, j'ai fait un teaser, regardez-le si vous voulez voir. Du coup, on va faire des vidéos de 40-45 minutes. Bref, on joue, on avance. On joue, on avance. Et on coupera, je couperai seulement si vraiment on rate. Ouais, rate un truc, galère, voilà. Mais sinon, il n'y aura plus de facecam non plus. Comme ça, on fera vraiment un concept de série, une vraie série, c'est-à-dire avec ce qui s'est passé dans les précédents épisodes. Et genre le truc, mais sans facecam, parce que la facecam elle sert à rien au final sur la série. Et donc au total, on a quand même 22 200 vues. Ouais, 22 200 vues. Pour un total, j'ai combien de vidéos d'ailleurs? Pour un total de 84 vidéos. Ouais, ça commence à faire, hein. Ouais, c'est vrai qu'on a un paquet de vidéos quand même, mine de rien, parce qu'on en avait quand même supprimé beaucoup. J'ai aussi pas mal de coding, un problème. Non, je disais. Tu disais. Ça vient pas. Je vais remonter là. Ouais. Tu peux remonter quoi? Ça va, Jérémy? T'es sûr? Je vais dire à ce moment, je peux. Ouais. Tu vas remonter. Du coup, tu disais quoi? Parce que maintenant que ça va mieux. Attends, ça me respire. Ouais. Ça va continuer à parler. Ouais, ça va mieux là? Non, mais je vous disais, j'ai plein de vidéos parce que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on on tourne beaucoup à l'avance. Et du coup, j'en ai beaucoup à l'avance à monter. Donc, vous allez en avoir pas mal, peut-être même qui date de. Ouais. Qui date d'il y a un moment, qu'on a tourné il y a un petit moment, et vous les aurez. On a une nouvelle série aussi. Et on va faire aussi une série avec Jérém sur un jeu d'horreur PS1, on ne vous dit pas plus. Mais on ça va sera la surprise. Ça sera la surprise. Bye. Christina. Ah non, il est magnifique, je suis content. Le mot Jérém de la fin. Bon, les graphismes sont beaux et les chargements sont longs, par contre. Voilà, merci Jérém. Alors, merci d'avoir regardé. On vous laisse pour le. Aïe! Ça fait mal ça. Pardon, je savais que je fais ça. Moi, ah non, je fais pas. On vous laisse du coup pour le petit best-of de l'année et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous allez voir, elle est sympa le best-of, il est sympa. Ah, on a bien rigolé quand même. On a quand même bien rigolé cette année, c'est vrai. Bon, des bons trucs. Donc merci à vous, à la prochaine, salut la bise, abonnez-vous, commentez, partagez, n'hésitez tout ça. N'hésitez pas à dire des retours, tout ça. Faites-vous plaisir, un pouce bleu, c'est gratuit. Un pouce bleu, voilà. Voilà, on a oui. Le tour, je crois. Rejoignez-nous sur partagez. Facebook. Partagez. Sur Facebook. Oui. Sur Twitter aussi, c'est vrai qu'on a Twitter. Twitter, Google Plus, Google Plus, oui, Instagram, Snapchat, MySpace. Ouais, voilà. LinkedIn. Voilà, on a déjà fait cette blague. Copain d'avant. En plus, c'est dans le best-of. Oui, en plus, c'est dans le best-of. Sur Copain d'avant aussi. Le Copain d'avant. Oui, le tour de la question. Voilà. Allez, salut. Voilà. Never Kuno. Oui.
When I might come up against TV Armor. N'ayez plus peur de parler anglais. Speak Wall Street English. Sometimes you've got to make a silent takedown. Alors moi je partirais plus sur un never know when I might come against Heavy Armor, give me the gap gun. On part sur le gap gun. Bah gun, y'a gun, hein. Donne-moi le gap quoi. Alors Paul dans ton cul, your primary objective is the makeshift. Donc tu parais objectif dans le makeshift. Ouais. Quels sont mes ordres pendant que je... Ça veut rien dire ça. Interroge le leader. Ah, interroge le leader. On ne sait pas... On a des choix et tout de suite les choix vont changer le cours de l'action et il faudra prendre les bons choix. Finalement, c'est plus ou moins c'est ce que je viens de dire en fait. Finalement, donc l'action du jeu elle se déroule dans un univers complètement cyberpunk. En fait, de toute façon, ça se voit hein, le côté un peu glauque. Cyberpunk, je pense que c'est le mot qui est secoué par des crises politiques et dans lequel sévit le fléau de la peste grise. Donc, on verra au fur et à mesure du jeu ce qu'est la peste grise. Alors, en fait, c'est vraiment considéré comme un chef-d'œuvre hein, ce jeu-là. Il a vraiment une très 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 très. Il y a vraiment une bonne... Oh, je suppose que je... Ça a été édité par Eidos Interactive. Eidos Interactive. Yeah. Les développeurs, c'est Yon Storm. N'ayez plus peur de parler anglais. Speak Wall Street English. Et le secondaire, on doit retrouver un informateur qui s'appelle Harley Philbin dans les docks. Donc pour l'histoire encore, le mec là qu'on joue, il a été intégré au sein de l'UNATCO, donc qui a été affiché à l'écran à l'instant, une agence antiterroriste internationale sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Ça commence très bien, je suis repéré. On va pas se manquer, c'est un fiasco. Ah non, pas je pense. Mentir. Bah, je pensais que c'était quand même pas. Ah non, mais bon, de toute façon, on reconnaît pas le jeu, on arrive là, on sait même pas quoi faire, y'a. En plus, c'est en anglais. Alors t'imagines pas le truc déjà en français. Oh, c'est compliqué. Non, mais on va pas se mentir, si je le connais pas, c'est que c'est un jeu pourri. Oui. Non, attends, je vais expliquer l'histoire. Mais en fait, le truc, on va pas se mentir, c'est qu'en fait, j'étais petit à l'époque et ma soeur m'avait ramené ce jeu. Et elle a eu le malheur de me dire, j'hésitais entre celui-là et Devil May Cry, quoi. Bon, j'ai eu un peu les boules à ce moment-là. Et bah, je l'ai testé et j'ai pas aimé du tout, en fait, parce que je comprenais rien. Je me demande pourquoi. En même temps, j'étais petit aussi. Mais c'est vrai, du coup, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai loupé quelque chose, parce que bon, c'est vrai, c'est quand même un jeu qui est réputé, c'est un jeu qui est quand même assez important. Y a rien du tout. Alors je me suis dit bon bah on va retenter quoi. Ouais bah t'as eu raison de le racheter finalement parce que ça nous permet de retester des jeux auxquels on n'a pas joué. Voilà. Ça vaut le coup parce qu'en plus ce qui est bien c'est qu'on a grandi. Ouais on a grandi. Tu t'avances un peu. Ça t'as pas grandi. Donc je me dis bon peut-être qu'avec plus de maturité d'expérience dans les jeux vidéo on va peut-être réussir. Mais quand je te vois comme ça. Exploser un mec dans le cul, si tu veux, je me dis que non, hein. Mais qu'est-ce que c'est comme ça ? Mais je savais pas, moi. Mais tu savais pas qu'en tirant de près sur un mec, ça allait lui exploser le cul, et toi ? Moi, je vais te régler tout ça. Ouais. Voilà, tu vois, déjà, regarde, je te montre que tu peux y aller discret, moi. Ouais, super. Tu vois, regarde. Lui est dans la discrétion, génial, hein. Ça va être beau. Comment on tire ? Pourquoi je peux pas tirer ? Parce que t'as pas d'arme. Comment je fais pour prendre une arme ? Là, choisis. Et ça, c'est quoi ? Weapon ? Non, c'est le truc que j'ai pris tout à l'heure, ça. Voilà. Et là, j'ai l'arme, là. Voilà. T'es sûr ? Bah oui, tu vas être dans toi, en principe, ça marche pas. Ah ! Les enculés. Bah, y'a des méchants, oui. Mais pourquoi ? Bah, c'est des terroristes et ils veulent tuer. Mais non, ils sont gentils, eux. Bah, tranquille, j'ai joué à Call of Duty, je sais pas. C'est tes potes, eux. Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais ils me tirent dessus, en quoi ? C'est mes potes ? Bah, parce que tu leur tires dessus, du con ! Mais du con ! Bah, quand on te tire dessus, si t'as une arme, tu fais quoi ? Non, fais pas ça. Ce qui est bien, c'est que c'est un jeu d'infiltration. Fais pas ça! Comment on court? Comment on court? Je sais pas comment on court. Oh hasta la vista, baby. Oh, c'est génial! Mais pourquoi il me fait chier à m'infiltrer? Regarde! Regarde, j'avance dans le jeu! Le mec est en train de détruire le jeu, quoi. Non, le but, c'est quand même l'infiltration. Eh ben, je m'infiltre! T'infiltres rien du tout, t'infiltres des roquettes là! Eh, tu vois, je vais t'infiltrer! Ça va être mignon! On dirait un truc, tu sais, pour épiler les sourcils, ça. Tu sais que les meufs, ils utilisent là, qui font clac là. Peut-être, oui, je sais pas. Mais si, c'est une sorte de ciseau et ça épile les sourcils. Bah, je sais pas, je m'épile pas les sourcils! Mais pas les sourcils, les cils, ça là! C'est oui, les ça cils. C'est des cils, ça. Oui, bah, les cils alors. Parce qu'à un moment donné, on m'a dit quand même qu'il y avait vraiment une grosse avancée dans le jeu et que c'est, le scénario vraiment prend un tournant. Ouais, c'est exactement ça! Ouais, il y a un tournant dans le jeu. Et c'est quoi en fait alors? Parce que du coup, je sais pas. Non, ouais, je sais pas. Mais pourquoi tu vas faire les poubelles? T'es pas un putain de clochard, français.
C'est assez... Ah bah il a dû infiltrer. Hein, c'est assez sombre. Hein. Un peu comme mon... Quand on en arrive là, c'est chaud. J'ai envie de l'essayer, mais... Mais t'as pas envie. La République, ça me fait penser à une réplique. Mais je sais plus laquelle. Par contre, c'est celui de la Liberté, hein, pas de la République. C'est celui de la République. Ah ouais. Ah, vache. Puis alors là, c'est enregistré, donc nickel. Oh putain. Regarde, c'est quoi lui? Who's bleh? Who's bleh? Ah oui, je parle de la vie là. Oula. Mais je comprends pas, on fait quoi là en fait? On doit s'infiltrer dans la statue de la Liberté. Eh, bon ou pas? Plus con que bon, mais oui. Oh, ce headshot. Bon, bah, on espère que ce jeu vous aura plu, que vous aura donné envie de réveiller votre nostalgie et venir jouer peut-être dans les cas dans les on a bien les meilleurs jeux, ça nous a fait plaisir. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. On est à votre disposition pour plus de renseignements sur ce jeu. Merci à tous, bisous les agneaux. Salut. Ah ouais, le mec qui fait le montage en direct quoi. Quand vous regarderez cette vidéo, on aura battu le Portugal. Oui. Ripple's free of Koscielny. And their shot! Super strike! C'est vrai ça. Alors je vois pas trop le rapport avec le jeu, mais enfin bon, pourquoi pas. Si on a pas battu le Portugal du coup, je le couperai au montage. Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu que je vais me refaire en anglais, en turc, en chinois, en allemand. Et j'ai adoré, écoutez, j'ai adoré. C'était un grand moment de plaisir. Je suis très heureux d'avoir fait avec vous. Je suis très heureux de le refaire avec toi. Et ben, ce que je propose, c'est qu'on le finisse ensemble, tu vois. Ben, ce que je propose, c'est qu'on fasse une série dessus. Et ben, exactement. On lit dans les brossés. Non, mais alors, c'est vrai que c'est un super jeu, hein. Finalement, pour l'époque, ils avaient vraiment fait fort. Regarde l'Europe, j'adore le marbre. Oulala, puis t'es vite, t'enchaînes sur une moquette. C'est sur beau. Des murs gris. C'est non, beau. Mais franchement, pour l'époque, c'était bien. Les graphismes sont beaux. Bon, par contre, les chargements sont longs. Et ils font couper la vidéo. Ils font couper la Du coup, je te le prêterai. Ouais. Je peux te le laisser si tu veux, ça me dérange oui, pas. Oui, oui, oui. Je l'ai tortillé, j'ai tartiné au moins 20 fois. Ouais. Je te laisse un bon coup. Non, mais ça peut être pas mal comme dessous de verre. À nous à suivre, commenter. À en parler à vos amis, voilà. Vos frères, vos sœurs, vos tantes. Vos chats, vos chiens, vos cochons d'Inde. Il faut absolument que vos cochons d'Inde regardent son Tourist Game. Et merci à vous, vous êtes de moins en moins nombreux. Et c'est grâce à... Oh putain. Merci d'être de chaque jour voilà. Vous désabonner de plus voilà. En plus. De cliquer sur s'abonner, mais une fois que vous êtes abonné. Voilà. Merci et j'espère qu'un beau jour, on atteindra les 0 abonnés. Dans 2 ans, objectif 0 abonné. Merci à vous. La bise à la prochaine. Bisous mes agneaux. C'est écrit. Allez, il est augmenté, voilà. C'est un augmenté. Voilà, j'ai trouvé. De toute façon, il n'y a qu'une personne qui regarde. On s'en fout, il n'y a qu'une personne. En fait, c'est ce qu'on appelle un augmenté, voilà. Et ouais, notre personnage. Oui, la personne qui regarde, peut... c'est en gros, c'est autour du. On s'en balèque. Et du coup, ouais. Voilà, et il est pas très bien vu par les autres non augmentés. Il y a du racisme, tout ça, enfin voilà. Parce qu'on est dans un futur. Ah, du coup, il est noir. Oui, si tu, oui. On peut dire ça comme ça, oui. Enfin, y a pas que les noirs qui subissent du racisme en soi. Bref. Donc Adam Jensen, c'est le personnage qui a qui a perdu sa fille pendant le ouais. Et c'était ma femme, moi, ma meuf. Mais pourquoi ils l'ont pas augmenté? Bah parce que parce qu'elle est morte, connard. Afin de récupérer des informations ouais. Par rapport à ça. Je sais pas si j'étais clair, hein, vraiment. Mais moi je me. Je t'écoute pas. Mais c'est juste. On sent clair, ils sont deux. Oui. Dont nous. Dont nous. Bah je sais pas si nous on compte en fait, c'est une vraie question ça. Attends, on fait moins de vues que nos vidéos de début. Alors pourtant faut y aller là. Mais c'est un futur, ah bah y'a plus qu'un visionnage, le mec s'est barré, on est tout seul. Impeccable. Bah au revoir à toi, au revoir à toi. Bonjour à nous. Et puis bonjour. Et donc du coup, bon ça va, on va quand même et faire semblant. Bah je sais pas, on fait semblant. Parce que ça se trouve y'a un visionnage, je suis pas sûr, donc je préfère quand même au cas où. Du coup nous on doit Donc nous on doit... Ah bah ça y est, il s'est barré le mec, quoi, tu m'étonnes. Ouais, donc nous... Quand t'as commencé à partir de l'explication derrière le mail, moi je... On doit enquêter... En fait, c'est moi qui suis parti. Ah oui. L'âme de Jérémy.
Ah, et nous avons un visionnage en plus. Coucou à toi. Coucou à toi. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, d'autres personnes, si tu pouvais, par le biais du chat, Nous dire si le son marche bien, si tu nous entends bien, si tu nous vois bien. Enfin, pour le coup, tu nous vois pas, puisque on n'a pas pu mettre la webcam comme on l'a dit avant. Voilà, vas-y, n'hésite pas à répéter. On a des problèmes de webcam. Voilà. Donc, on est sur Deus Ex, et il faut que tu nous dises si ça marche bien pour qu'on puisse nous améliorer. Bah, oui, voilà. Donc, on va pas te répéter l'histoire, parce que ça fait 10 fois qu'on l'a répété, puis t'es parti de toute façon. Donc, impeccable. Mais dites-le en commentaire si vous trouvez marrant. Jérémy, je te trouve marrant. Oh, super, Anto du 9-5. Anto Jérémy, tu es largement meilleur que Fab. Oh, super, c'était Roger 7-8. Hein. Roger. J'ai une grenade. Ah, oui, je sais même pas comment on utilise les grenades, tiens. C'est une bonne question, ça. Pas une gâchette. Voilà. Voilà. On espère que vous avez pas trop de problèmes pour le visionnage. Enfin, que tu n'as pas trop de problèmes. Nous avons deux visionnages, attention. Ah, un visionnage. Ah, c'est pareil. Elle dit, oh là là, ah, c'est de la merde. J'ai fait une erreur, mince, pour les clics. Mais ouais, sur Bloodborne, ouais, ça pourrait être marrant. Ah ouais, ah, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ok, mais je vous parlais de Jésus. C'est moi de Jéhovah. Avez-vous entendu parler de la parole du Saint Jésus? Voilà ce que j'en fais de la parole de Jésus. Fils de pute. Voilà. Sur la table. Je mise tout. Même le gros. Même le gros. Tiens, bonjour monsieur. Bah, tu tombes à pique, toi. Hein. Viens là, viens là. Tu viens par là, tu t'es pas lavé les mains en sortant des toilettes. Tu vas aller boire ton caca. Tu vas aller laver tes mains dans les pieds, dans les chiottes. Comment ça me casse les couilles? Tous ces ordi qui tombent sur Windows 95. Je dis ça, mais dans un arrêt, j'ai rentré dans un zoo, il y avait vraiment des piranhas, ils ont mis une carcasse de poulet et elle a pas fait long feu. Ah oui, bah oui. C'est des piranhas entiers, non? Demain il fait de la gracie, bravo! Je mange tout l'eau, bravo, c'est bien! C'est cliché! Si c'était des pierres entières, ça a pris plus leur temps! Je suis un pierre entier! Ouais! Je mange tout, ok! Je me fais déjà 14 ans, je ne mange pas de pierre! Non, laisse-moi finir ma phrase quand même. C'est mon moment de gloire là. C'est ma seule réplique du jeu. J'aurais l'honneur de faire un. Allez au four. Une bonne petite cuisson. Tu connais Hitler? Non. T'es mort. Quand on arrive en ville, quand on arrive en ville, comment on change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Wow, gang bang dog. Le nouveau film de Disney. Après Cendrillon la tepu. Après les cendres de ma chienne. La belle la pute. Tu suis amoureux de toi. Non. Petit bisou de la chance. Voilà. Crève. Ah oui, crève carrément. Ouais. Ah, c'est quand même super. Bien crève. Ah, je veux pas que tu vives, quoi. Tu étais bon, mais tu vois, ça doit y aller. Mais tu vois, Fatal, elle est moins prise maintenant parce qu'ils ont baissé les stats. Fatal. Approche-toi, approche-toi pas. Pour que vous puissiez vous imaginer, Damien, il est noir. Oui, il y a deux visionnages. Bah non, mais c'est pour que les gens se représentent un peu le contexte. Pourquoi t'as précisé qu'il est noir, Jérémy, je comprends pas. Mais par contre, Jérémy, il est blanc. Mais je comprends pas. J'ai essayé Farah. Mon ami là, il est arabe. Quoi? En fait, c'est vraiment une grande communauté, ouais. Multiculturelle. C'est le melting pot américain, quoi. On capture, les gars. Ça capture, là, ça capture. Comme la Renault. La Renault capture. Et merde. On va pas se disputer quand même, on est potes hein. Attends, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Oh, hey. Est-ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, on est pas des chambres à air. Hein. Lol. Je serai au Bataclan le 25 et 26 septembre. On en fout. J'ai rien compris à ce que tu m'as dit. T'es con. Voilà. Il y a 20 ans. On est trop pareil. Skaou, Nalima, Zalou, Fiba. De toute façon, il y a 10 000 streams sur Battlefield, donc il est stream. Embrasse-moi, Boblack.
japonais, c'est un japonais ou pas? C'est pas un poney, c'est un cheval. Oh, c'est un poney. Non, le mec il a dit un poney quoi. Genre ils vont en guerre avec des poneys quoi. Enfin la guerre c'est pas censé être mignon non plus quoi. Oh, petite guerre. Ouais, non. On va pas se mentir. C'est sympatitoche. Ça nous permet de faire des bons jeux et des bons films. Mais je suis, par contre je suis choqué, je suis vraiment bon. C'est bizarre ça, je suis étonné. Il t'envoie des fleurs. Putain, je me fais shooter depuis tout à l'heure moi. Je comprends rien ce qui se passe. Je me suis envoyé un bouquet par Interflora là, il est magnifique quoi. Je me suis vraiment gâté. Hein. Putain. Tiep. Ah, super drôle. Oh, cherche un petit peu, Jérémy, quand même. R5, tiens. Oh, merde, bon, j'en ai eu un quand même. Oh, j'en ai eu deux même. C'est ça. Trois. Je vais prendre Assaut. T'as bien fait ton rôle, non? Tu prends la section d'Assaut. La qualité de la connexion internet n'est pas suffisante actuellement pour diffuser le jeu. Ouais, merci. J'aime pas trop cette classe moi. Avec les gros calibres là. Et non, je parle. Je parle bel et bien des classes. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je veux des bisous. Le mec il s'est dit je vais chanter je veux des bisous. Et ça va être swag. Ça va être un peu gangsta. Face it on. Together, let's go. Oh là, on va se calmer. C'est un nouveau groupe. Un nouveau groupe qui sort. Ouais. Les 2BTIEB, capture C. We have lost objective Charlie. Moi je suis en train de capturer Bulle Bizarre, mais c'est chaud. Hein. Putain, il me fait foie gagne à chaque fois, il saoule. C'est bon, on a compris. Pas si je veux. Hein. Ah, cool. Je réapparais sur rien. Comme ça, moi. Avec qui est excellent, t'es où copain? Ça te regarde pas, la vie privée ça. Ouais, va chier, pardon. Bah quoi, je suis pas sûr d'avoir ouais, je disais ouais, mais encore j'ai pêché. Ouais, j'ai pêché. Ah, t'as été pêché. Je veux bien un coup de main pour B là parce que je suis un peu en galère. Moi je suis en train de mourir, alors merci. Ton coup de main, tu lui es. Je le fous au cul, quoi, c'est ça? Violent, là. Ça! Allez, dégage! Bah, masculin. Putain. N'importe quoi. Ah. Oh putain, c'est lui! Qui ça? Un mec que je connais, un peu con. Ah ouais, c'est qui que tu connais? Parce qu'on connaît quand même pas mal de gens en commun, donc. Ouais, ouais, mais il s'appelle John, je connais pas. John? Oh non, t'as pas de toi qui s'appelle John, Jérémy, hein. Ah bah non, toi tu connais pas de... Enfin j'en suis sûr quoi. Tu connais pas ma vie, ok. Et je vais bombarder le point G direct. Enfin, tout bien, tout honneur évidemment. Et ça se dit pote, sympa. Ça se dit pote. Cherche la merde. Ça se tripote. Lourd. Excellent. Ah, je suis mort, voilà, merci. Mmh. Écrasé par un cheval. Ah, c'est vraiment le truc le plus humiliant qui puisse exister, quoi. Zipote. Eh, c'est bon, là, me saoulez pas. Mmh. Mmh. Ah ouais, c'est... Bah, Fabien, c'est du rhum et je suis de la vodka, alors... Ouais, c'est ça. Si, c'est parfaitement... Et là, derrière. Bon, oh, ce quickscope, les gars, que je viens de faire, là. Putain. J'ai fait un quickscope. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Oh, putain, j'ai encore killé. C'est quoi, et c'est quoi concrètement en fait? Ouais, mais dis donc. Ouh, bien joué Fabien! Là c'était dans l'arbre limite en fait, le mec vous voyez même pas. Grave! Hop, j'ai rien à dire. Attendez ce connard de fils de merde. De fils de merde. Ah, le mec il est. Sa mère c'est le caca quoi. Bande de fou, j'aime! J'adore te faire l'amour, j'ai envie. Ah, bienvenue! Nickel. On a vu qu'on s'améliorait en deux épisodes quand même. Hein. Ouais. Je fais ce que je dis ça pour que. Bah, dites-nous nos avis sur le sur pour ceux qui ont vu le film. Hein. Ouais. On va le faire. Non. On va pas. Donc voilà cette petite cinématique introductive qui nous montre. C'est joli ce que je dis. Hein. C'est une cinématique introductive. Oui. C'est. T'as l'air étonné. Pas un gros. Un gros quoi? Hein? Non, je disais pour une fois qu'on arrive à aller sur un balcon. Ouais, je vois pas le rapport avec le balcon. Mais si.
Donc vas-y, avance un petit peu plutôt que de sauter comme un gros con là-bas. Voilà. De quoi? Je vais là-bas. Voilà. On vous montre. Donc là, on est dans le présent. On est dans le présent. Donc tout est détruit, c'est ça? Voilà. Ça permet de voir le présent. La différence avec le passé. C'est fou, c'est mieux. Ça permet de voir. Alors là, faut que tu sautes là, connard. Le fou, je sais. La plateforme là. Là, je la sors à gauche. Je fais ce que je peux là. Dépêche-toi. Bah, il veut pas. Bah, veut. Ah. Voilà, tu cours sur le mur. Non, pas là. Il se mange la poutre là. Il va tomber le con. Là, il tu sautes. Là, tu cours. Là, tu vois pas qu'il y a un truc. Tu sautes, bordel de merde. Bah, voilà, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer. On espère que ça vous a plu. Bah oui. Ah, je m'attendais un truc de ouf gueule, moi. Bah non, c'est juste pour montrer qu'en fait tu peux voyager entre le présent et le passé, c'est la nouveauté du jeu, c'est sympa, c'est kitsch, tout le monde s'amuse. Et voilà. C'est kitsch, voilà, c'est horrible ce mot, putain. Merci à vous, ce coup-ci on skill vraiment, à plus. Ouais. Salut. Ciao. Salut. La bise, mes agneaux. La bise. Et j'ai fait un coucou à la caméra, ce qui ne servait absolument à rien. Parce qu'il n'y a pas de caméra. Ouais. Voilà. Merci, c'est... Allez, adieu. C'était la fin de la chaîne. La dernière fois, on a eu la ruse. On a eu la petite légère, on était dans un coffre. Ouais. Il est bête celui-là. Je comprends rien. Bah, tu comprends rien. Attends, tu me dis, tu m'envoies dans un truc, je me fais tuer, je perds tout mon XP pour rien. C'est pas, en plus, c'est pas là qu'on devait aller. Je vois, tiens, bah, pour la manette, fais-le. Oh. Attends, mais lui. Mais toi, il sort d'où? De Michel? Non. Michel sort d'où? Excellent. Il se prend un gros. Je dormais tranquillement là. Oui, il y a un mec qui m'a poussé dessus. Ouais. Je touche même pas le SMIC moi à garder comme ça là. Et on va faire une petite partie sur Rainbow Six. Deux gants en l'air. Moi aussi. Je rêve de la fibre. Grave, putain, moi aussi. Le rêve quoi. D'avoir la fibre maternelle et tout, enfin tu vois. Ta gueule! Être maman quoi. Bon, après, on va pas dire le prix, le salaire qu'on touche, hein, mais voilà. Oui, non, c'est pas. Il y a plusieurs zéros, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a un chiffre devant? Est-ce qu'il y a un chiffre devant? C'est ça la question, mais en tout cas, il y a des zéros, ça c'est sûr. 400 de ping, bien joué Fabien. Excellent. Si ça pouvait être tes scores, on s'en porterait pas plus mal. Mais tu scores, on peut pas dire, tu scores. Et tu fais 16, donc tu scores 16. Oh putain, super! J'en reviens les gars. Ah. On a déjà un abandon. Mission ratée, les alliés ont été éliminés. Ah, on entend du bruit. Ouais, est-ce qu'il va y avoir un petit peu d'engueulade, histoire qu'on rigole un peu? Oh, ça serait marrant. Ce serait marrant quand même. Je suis pas sûr que. Tu passes ton temps sur la console! Ouais, t'es live là, moi je m'en fous! Pourquoi tu regardes pas qu'ils sortent de chaman avec nous? J'avais d'enfants avec toi, de maison et tout, mais toi tu vas avec tes potes! Grandis un peu! Je sors à peine de la douche, t'es déjà sur ta console! Je suis pas là pour filer des perles, moi. Mmh. Hein. Moi je suis pas bijoutiste. Je suis pas bijoutiste, oui, d'accord. Merci. Ouais, bah je suis pas prof de français non plus, hein, et pourtant je me dénerve. D'habitude t'es un peu meilleur que d'habitude. Ah, mais c'est l'effet live ça. Ouais. Enfin, en même temps, quoi, Jérémy, qu'est-ce que tu insinues? Bah, mon chat gribouille l'autre jour, ça fait exprès, il est monté sur la manette parce qu'il est allé sur le lit. Il a fait un frein. Il a un meilleur ratio que. Oui. Ouais, du coup il a fait un ratio positif. Non mais Invictus ouais, il est bon. Hein. Invictus il est bon. Bien que je préfère Paco Rabanne quand même. La phase de défense, moi je sais jamais quoi faire. Bah défend. Quand je discute avec ce mec. Je suis à côté de lui. C'est bon, voilà. Voilà, c'est ça. C'est un peu la chair à canon quoi. Il fait un peu un tirailler après. Oula. Ah, ok, me peut pas mis mon kill. Oh putain, il m'a piqué mon kill, j'en étais sûr. Oh, c'est moi qui l'ai mis à terre, le fameux. Mais si merde, c'est toi qui l'as mis à terre, rien du tout. Sur le toit, ouais. Les aléas des serveurs Ubisoft. De restaurant. Chiant.
Les mecs, tu leur demandes un coca, ils t'apportent un diabolo, t'es dégueu, t'es vénère. Ouais, 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 c'est bon. Même pas, ouais, c'est la map qu'ils avaient sortie pour Blackbird et Valkyrie. Non. Non, si. C'est la dernière, celle-là. Non. Non, c'est Favela, la dernière. Ah. D'accord. Oui, bah, c'est bon, hein. Ah là 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 là, ouf. Ah bah putain. Eh bah. Aïe. GG Rémi. C'est bon. Ouais, ça a plus tellement de sens. Après, c'est... ça part en zoo. Ouais, c'est bon. Doucement. Ouais. Ok, ça marche. Oh, une grosse fouine hein, sur les jeux vidéo. Ah ouais. Rappelle-toi sur Black Ops, qu'est-ce que je campais comme un porc. Oh, ah ouais. Moi, je suis plus un Booba, tu vois. Oh putain, ça l'a stoppé net, le mec. On va essayer de se concentrer. Non, Jérémy, tu fais pas de tir allié. Non. C'est vrai qu'il court partout, c'est entendu. Non, arrête. Oh putain, t'es chiant. Y'a rien à faire, il faut pas s'en empêcher. Non, mais il est là aussi. C'est pas possible, quoi. Je passe devant lui, et vu qu'il sait pas que c'est moi, bah. Viens, ah ouais, tu vas te tirer dessus. Ouais. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Attention à la fenêtre, ah bah c'est pas quelqu'un que je connais donc c'est bon. Oh le con. Mais non mais le mec il se met en feu. Non mais sérieux quoi. Il se met à la fenêtre aussi, merde. Gatsa, boum. Ouais d'accord, ouais. Allez. Le mec c'est Rambo quoi. C'était pas un guerrier. Ouais ouais, on connaît Rambo, j'ai rien connu Rambo. Bah du coup il est pas moche puisqu'il est Rambo. Ouais. Faudrait peut-être le regarder plus alors. Et pourquoi? Tu dis vraiment. Ah oui, toi t'as 180 de ping, hein, mon salaud. Hein. Ah ouais, t'envoies du lourd. Ouais. Hein. Ouais. C'est... Ah ouais. Moi je suis chaud patate, hein. Ouais, moi, grave. Je suis pas qui je suis, hein. Bah, suite, moi, Jérémy. On m'appelle ping-pong, moi, trop sûr. Hein. Tellement j'envoie du ping. Hein. Ah ouais, parce que non, j'ai une connexion de merde, c'est pour ça, dans la vraie vie et tout, je lag. Mais même quand tu bois, il y a une connexion de merde. Ah ouais? Ah, mais je lag hein, des fois. Hein. Tu sais, je bois, puis l'eau. Ouais, ok, ça marchait. Ouais, parce que j'avais vraiment rentré dans le détail et tout. Ouais. Ouais, okay, ah, t'as bien fait? Ok, ça marche. Okay. Salut les gars, salut. Bonne soirée. La vie. Mais, vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je résume ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord les rencontres. Des gens qui m'ont tourné la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est vrai que de se dire que les rencontres, les hasards forgent une destinée. Et puis quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, on n'a pas un interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je le disais, c'est même pas ça. Je dis merci à la vie, je dis merci, je chante ta vie, je danse ta vie, je ne suis qu'à vous. Et quand beaucoup de gens me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien, je réponds simplement, je leur dis, c'est ce goût donc de la vie qui a mis aujourd'hui entreprendre une course mécanique, mais demain, qui sait, à mettre seulement au service de la communauté afin de faire le don de soi. Je vais t'appeler une heure, ça marche pas. But de honneur. Quoi? Une belle, si tu veux dire, attention. Il a pas sa Porsche. Il a pas sa Mercedes. Une belle reprise de volée de la part de Peugeot, attention. Ah, quand ça va pas rentrer, hein. L'âme qui va la passer à la Rousseau. Chez les Fagouna. Mais si, tu vas voir, regarde. Quand tu vas tirer, regarde. Ouais, non, c'est vraiment. Ouais, mais je sais pas utiliser. Non, mais si, regarde, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est direct. Oh putain, ouais.
Ah ouais, non, c'est... Ah, je suis mauvais. Dans quelle nouveauté qu'ils ont apporté dans ce FIFA. Jérémy... Oh, et c'est une belle passe. Oh là là. C'est rentré. À la 88e minute, les amis. C'était un pro. Je dis bravo. Bravo Jérémy, bravo. Merci. On continue au plus. Oh, puis alors il a bourriné. Bah, c'est mal joué ça. C'est joli. J'étais dessus. Pour le Real de Karim, hein. Benzema. Voilà. Oh là. Il a un peu mal aux jambes. Karim, il a un petit mal. Alors ce match, déception. Une déception. Non, c'est pas bien grave. Non, 10 déceptions, c'est mieux. Je suis pas vraiment déçu parce que oui, il a beaucoup bombardé dans ce match. Ça, c'est quand même vrai. Il a beaucoup bombardé dans ce match, donc ça va. Ouais. On sent quand même une grosse déception de votre part. Non, je peux pas, non. J'ai une envie d'arrêter peut-être carrément le FIFA. Violence. Ah, c'est juste. Oh, il est pas fort tout seul. Ouh là là, que c'est dangereux. Ouais, mais tu vois, moi je construis, tu vois. Et là, hop. Mais pourtant, t'as pas le Portugal. C'est dommage. C'est raciste. Allez, non pas trop, c'est un... Oh là là, c'est au mais c'est mais c'est pas possible. On va dire Martial Gozo. Un festival de buts que nous proposent aujourd'hui les deux frères. Mais du coup, avantage à Anthony qui est revenu tout de suite, hein, juste après. Ah, nous avons un problème technique. Automatiquement sélectionné. Ok, pourquoi t'as dit reste. Mais il commente les messages de la télé. Également à préciser. Les télés peuvent s'éteindre pour se mettre en veille. Allez, on est sûr pour Dybala, hein, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Laissez, hein, ça y est, on est en civière, on le voit dans notre caméra hélicoptère. On n'est pas en Formule 1, ça vient, et pas besoin de caméra hélicoptère. Non, si on était en Formule 1, on s'entend bien, moi. Voilà. Allez, si on prépare le monde, ça, on boirait de la bière sur le canapé. Non, tu confonds le sport. Petite non, repris par Ramos. Cimer. Ramos à la playa. Il rigole tout seul de sa blague. Ramos à la playa. Alors, Pichenette qui reprend. Allez, Tony Castro. Kawasaki. Kutsu. C'est le meilleur chez les femmes. Donc, ouais. En gros, là, tu me mets une couille en fait. Bah non, la dernière fois je t'ai tué pas mal. Tu vas dans femme. En plus, il y a Marion Cotillard. Mais les fous, ça, c'est les meilleurs, je te dis. Comment ça s'appelle là? C'est qui je suis rappelle. Tu m'aimes pas couille. Je sais. Bah, je sais plus. Elle m'a un gros port tout le temps là. Moi, je prends les établis. N'importe quoi. Marion. T'as Marion Jeunesse? C'est pas Marion Machin Le Pen non plus. C'est la fille, là, comment ça s'appelle là? Elle est au PSG même. De quoi? Mais oui, Marion. La super belle là, qui est au PSG et qui est en équipe de France. Prends le maillot. Tu sais, fais pas genre, parce que t'as aimé sa page sur Facebook, donc tout le monde, voilà. Et on ne fera pas de blague, hein, Fabien. Sexiste. Ah non, c'est pas du tout le genre de la maison. C'est plutôt le genre de l'appartement. C'est plutôt le bois. Tu m'as. Le mec, il est violet, quoi. Grave. Je vais avoir un arrêt cardiaque, quoi. Tu vas avoir un bleu parce que je t'ai violé. Allez, on va passer à autre chose. Correspondre. Ah, c'est bon. Du coup, le goal il est petit. Ouais. Ah, ça c'est. Ah non, c'est. Cool, non, Emmanuel Petit, il est entendu parti lui. Hein. C'est pas drôle ça. Chaque année, on a Emmanuel Petit ou François Boeuf avec toi. Ils m'ont laissé tout seul. Je vais en profiter pour faire un petit coup foireux à mon frère. Je vais mettre que des jours pourris. Alors. De retour sur Sensuous Game après cette petite page de pub. Est-ce que je change tous les joueurs de Jérémy? Je le fais des joueurs mauvais. De toute façon, j'en avais déjà mis un, donc bon. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Si. Mais on va pas se mentir, ouais, fait ça vite parce qu'il arrive. Et le numéro 10 arrive. Et voilà. Voilà, Jérémy de retour. Pour jouer un mauvais tour. Sur les 3 matchs, tu m'as blessé 3 points. Je vais prendre le sommaire parce que pourquoi j'ai Gianni en pointe? Quoi? Oh, vous m'avez changé! Oh, les enfants! C'est pas moi! Ils m'ont changé toute l'équipe! C'est pas moi! Non, deux joueurs!
Tu verras dans la vidéo. Sérieux? Tu verras dans la vidéo, c'est pas moi. Et j'étais contre en plus. Hein. Quoi? J'étais contre. C'est après, pas moi. Oh, j'en foiré. Oh, oh, oui. Le con. Pas le con, il était mort. Les Américains. Le mec s'est fait chier sur sa propre chaîne, quoi. Une passe, encore une passe. Toujours des passes. C'est le principe du football. Alors on peut voir sur Twitter Lolo du 94 qui dit bravo, beau match pour l'instant. Hâte de voir la suite. On a Jean-Patrick de VF qui nous dit bravo. C'est tout à fait logique, Jean-Patrick quoi. Bravo pour ce match. Allez GG. Mais non, c'était pour elle là-haut. On est capé. Oh, ah, ça m'énerve, c'est un jeu sexy. Comment ces insultes, les choses handicapées, alors qu'ils n'ont rien demandé, c'est pour aux gens. On pense d'ailleurs aux Paralympiques, hein, hashtag 3637. C'est les tétons. Là, là, c'était les tétons. C'était, oui. Voilà. Pas drôle. Merci, Jérémy. On se tire assis. Mais t'as toujours, on se tire, oui. Ça continue, encore et encore, c'est que le début. D'accord, en accord. D'accord. Comment ? C'est donc parti pour des pénalties. Hein. C'est... Ah oui, alors voilà la méthode habituelle pour les pénalties, dos contre dos. Tu as des problèmes, il y a le TAJV. Quand tu es bloqué, il y a le TAJV. Quand ton jeu est bugué, il y a le TAJV. Les contrôles, c'est la caméra, c'est un peu la merde. Oh là ! Non ! Et là, voilà. Bien sûr, j'en la mort de Franck. Oui. Oui, bah oui. J'ai quoi de temps. Oh putain. C'est la fatigue. Le meilleur passage du jeu. Faut dire, hein, pour ceux qui viennent le jeu, ils reconnaîtront le meilleur. Ça merde. Putain, c'est pas Ratchet, il va pas utiliser le. Oh non. Merde. C'est reparti, attention. Retente. Fais pas le con. Ah, tu veux ? Ah, tu veux les belles quenouilles ? As-tu vu cette quenouille ? Vous savez, tu sais, on dirait tout sur Facebook là. Le savais-tu ? Oui. Saviez-vous que quand une fille vous regarde, c'est qu'elle est amoureuse de vous, hein ? Salut, salut ! C'est Fab et Jérém ! Ouais ! C'est Fab et Jérém ! C'est Fab et Jérém ! C'est Fab et Jérém ! C'est Fab et Jérém. Donc on se retrouve sur Army Men Surge's Heroes 2. Voilà. Et alors, je pense que c'est le premier sur PS2 d'ailleurs qui est sorti. Je sais pas du tout, on s'en fout. Là, ouais, c'est chargé d'émotions cette musique. Army Men, c'est mon enfance. On reste sur le menu. Non, voilà. Non, parce que, alors, je voulais ton enfance, bon... On s'en bat les couilles, quoi, c'est ce que je veux dire. Non, ça m'intéresse pas moi aussi, ouais. Surtout que j'en ai un peu fait partie et tout. Bah oui. Mais là, je veux dire, on présente un jeu. Pas dans le mais... d'ailleurs. Mais je veux dire, si on présente tous les menus de chaque jeu, la chaîne n'a pas marché. C'est simple. Donc je voulais vous montrer quelques petites missions. Bah, oui, j'ai débloqué toutes les missions parce que j'ai fini le jeu complètement. Non, t'as fait un cheat code, connard de merde. T'as fait un cheat code. Le réfrigérateur. Cheat code. Parce qu'en fait, comme vous le savez, Armin, il a fait un cheat code. Ah ta gueule! Et comme ça, je suis sûr que tu coupes pas, moi! Docteur. Le sergent Plastro, qui est méchant, il a capturé Vicky, donc l'ami de. Enfin, la femme de Sarge, qui est le personnage principal. Je te vois dans la caméra. En fait. Et donc, du coup, c'est passé à Kim. D'accord. Et donc, du coup, il a. Attends, mais. Et donc, du coup, on doit contrer ça, on doit récupérer Vicky. Et on doit contrer la vilaine Vicky, ça me fait penser à la fille dans... dans American Pie. Waouh, 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 waouh. Ah oui, d'accord, il me tatane la gueule direct, lui. Waouh, waouh, waouh. Laisse-moi tranquille. Ah, secours. Ah. Oh putain, je comprends qu'il veut me péter la gueule, là. Ah, laisse-moi. Oh putain, je suis mort. Ah ouais, là, il me... Aïe. Bah voilà. Du coup salut à tous hein. Salut à tous. 3 ans plus tard, voilà. Mais c'est pas grave, on t'aime pour ça. Moi j'attends que les gens finissent de parler avant de parler.
le PlayStation VR. Je pense qu'on le voit sur la tête du cocon là. Hein, avec qui ça? Un mec, cherche pas, il est dehors sur. Devant moi, c'est ma maman. Voilà, Batman. Et tu vois, je me vois dedans quoi, je peux danser et tout, c'est génial alors que je suis Batman quoi. Ouais, Batman, c'est pas trop le mec. Il est pas très. Non. Il est pas très Rabbi Jacob quoi. Non, voilà. Oh là là, Rabbi Jacob. Qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi? Bah non, mais je Batman ne danse pas Rabbi Jacob. Ah mais voilà, enfin je... Non, c'est vrai que c'est génial quoi. Franchement... Après au niveau du... Enfin il est très confortable, il y a du plastique tout autour. On a quand même... léger. Là tu vois, quand... ouais c'est très léger. Tu vois quand je mets les trucs là, je les vois là. Parce qu'en fait, il y a forcément un truc vert ici pour pouvoir... Qu'est-ce que tu fais là? Tu me filmes? Non. Ah, ça c'est génial cette scène-là. Ouais, j'aime bien aussi. Là je me retourne vraiment quoi. Ouais. Et en fait, faut pas que je bouge, sinon il me fait buter. D'accord. Tu me filmes là, enculé. Non, non, je te filme pas. Si, si, tu me filmes. Bah, il y a déjà la caméra qui filme. Allez, je vous fais un cœur Batman. Mm. C'est compliqué, hein. C'est hyper raté. Est-ce qu'il peut faire Hitler? Non, on fait pas Hitler. Ah, pardon, pardon, c'est vrai. Je trouve qu'il est un peu plus facile quand même, celui-là, qui est Victor Fernand. Bah, tout à l'heure, je disais ça quand j'ai fait une partie, là, mais je crois que c'était mes générales aussi. Et là, non. Ouais. Bah mais en général c'est plus facile parce que tu fais des frappes plus rapidement. T'as vu faire un bruit comme ça quand tu bois? Mais oui. Tu me caresses pas? Ok. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr parce que sinon on est pas de soucis. Alors moi c'est un souci par contre pour moi. Moi non. Ouais. Oh. Je suis d'une mauvaise thé quoi. Ouais. Bon, c'était une facilité en même temps. Ouais. Le mec qui sort tiep à tout bout de champ quoi. Je peux dire n'importe quoi, il va dire tiep le gros connard. Ah, t'es sympa. Comme dans la vraie vie, mec. Tu te rappelles à la piscine, Damien, en CP, quand tu te reposais sur ma tête quand tu coulais? Quoi? Hein? Quoi? Non, Damien il est pas serein. Damien il est plus sur l'estomac. T'as le froid que j'ai jeté quoi. Putain, oh, ouais. Oh la vache. Waouh. Waouh. Ça m'a enrhumé. Glacial quoi. Trop pas. Bah trop si, aussi, toi aussi. Je déteste en plus les gens qui disent trop pas. Ouais. J'aime pas les gens qui font aussi. Ouais. J'aime pas ça. Et y'a un avion ennemi et Ouais, je m'en fous. Oh la violence! Bah c'était pour l'anniversaire de Kim! Bah. T'avais qu'à lui montrer l'exorciste, voilà. Elle aime pas en plus, voilà. Elle a pas peur. Oh! Si elle a peur de son ombre mais pas d'exorciste. La pauvre! Cœur sur toi! Oh. Pied sur toi! Non! Oh, la vache. Ouais, t'as du mal! Hein. Ah bah c'est plus du mal là, c'est. Mais c'est bon, c'est bon. Waouh! Y'a pas besoin de surenchérir, hein. T'as du mal, point. Ta gueule! Résistance! Non mais ok, bon je veux bien que je suis pas. Y'a un mec! Bah je le vois là, j'avais une seconde! Mais pourquoi tu vas pas le tuer? Faut qu'il prenne l'arme et que tu tires dessus! Bah je fais ce que je peux, j'ai pas le temps! Bah fais! Si je me crie pas dessus là, je le tue! Regarde, tu regardais là! Ah oui, c'est moi qui passe à la télé en plus! Ah tiens, je passe à la télé, Doudou! T'as vu? Ouais, mais. Je suis pas du bon côté par contre! Oui. Tiens, connard, on va voir si tu m'amuses là! Tiens quoi? Conrad. Oh mais ça saoule là, il y a trop d'explosions, trop de trucs. Ouais, trop quoi. Mais tu dis trop. Mais tu dis tout ce qui est vrai quoi. Mais tu dis trop de trucs vrais. Je vais voter pour toi Damien. Ah Damien c'est mon président. C'est mon Martin Luther King. Pourquoi Martin Luther King? C'est l'humiliation totale ça, il m'a accueilli le mec. T'es mon Martin Luther King. Damien c'est mon Rosa Parks. Demain c'est mon Barack Obama. C'est ma Michelle Obama. Demain c'est mon Yannick Noah. C'est mon Harry Rosenbach, Demain. Demain je suis sûr qu'il parle comme ça. Cette vidéo est sponsorisée. Parce que je sais pas si vous voyez, mais là vous êtes des FOI Wolverine. Ouais. Donc moi j'ai bloqué l'unité Orion. Et ça change quoi? Ouais, c'est à partir du niveau 15, non? C'est à partir du niveau 15? Je crois, ouais. Je suis niveau 18, donc voilà. Et on peut pas prendre Tornade plutôt que Wolverine, moi je préférerais autant, quoi. Putain, t'es trop marrant, mec. Ah ouais?
Non. Je suis super drôle. Ah, grave. Ou alors professeur Xavier, j'avais pensé, mais je me suis dit, ouais, pas sympa et tout. Je rigole trop. Mais ouais, carrément. Tu trouves ça drôle? Mais grave. Génial. T'es caché. Génial. Eh, franchement, tu devrais faire la même chose. Mais je suis sûr que ouais. Grave. Mais ouais. Ta gueule. Ah, c'est toi qui a campé, le gros bâtard qui a campé là, putain. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, carrément, le gros bâtard qui a campé, quoi. Ah, gros bâtard, c'est vache, quand même, ouais. Ah bah, Jérémy, c'est la tente et le réchaud, hein. T'as quoi? Ah oui, d'accord. La bonne vieille blague, hein, du campeur. Ah, oui, oui. Jérémy, son film préféré, c'est Camping 3. Bah, là, tu baisses des mères, là. Ouais, ouais, ah, ouais, voilà, ouais, ça baisse des mères carrément, ça. Ça baisse des mères, ça. La vache. Des grosses mamans, quoi. Ça, ça te tartine de la daronne, mais alors quelque chose comme il faut, quoi. Là, là, là. Oh putain, le con. Oh, il a raté ça, putain. Oh, ouais, ouais, merde. Ah, je suis pas bon. Oh, la brêle. Comme Jacques. Ah, comme Jacques. Hein? Comme Jacques. Exactement comme Jacques. Là, le mec. Je le follow. Bah oui, mais. Après, c'est. Oui. Dégage. Amour pour toujours. Dégage. Après, c'est vrai que pour les matchs à mort par équipe, tu vas plus avoir des maps plus grandes. Mais là, vu que c'est d'Amélie Général, pardon, il te propose un match. Alors, moi, la gueule, y'a pas de soucis, mon gars. Y'a pas de soucis. Il te propose juste des petits. C'est comme si je t'ai pas connu de toi. C'est vrai? Du coup, je peux mettre mes pieds? Non, tu peux. Ok, ça marche. Non, parce que sinon, je mets les miens. Dégage! Ah, puis les tiens, ça va. Quoi? De quoi? Eh, regarde, mes chaussettes, elles sont belles. Ah, alors, vous voyez ou pas? Oh, je m'en bats les couilles. Et là, alors que c'est un jeu de gamer et tout. Le mec il prend le sniper et il vise pendant un an avec, quoi. Il suit l'ennemi qui court avec la lunette, quoi. Truc improbable. L'autiste au sniper, quoi. Mais tu fais quoi? Bah, je danse devant la caméra. Mais non, tu te danses pas devant la caméra. Mais on est pas sur danse avec les stars. Non, on est sur danse avec les cons. J'ai eu un bug en branchant ma manette. Oui, j'ai eu un bug en branchant ma manette. Ouais. La manette, elle a le dos large, hein. Grave. Regardez. Non, le dos large, la manette, hein. Putain, quel dos. T'es marrant. Et ça, c'était la salle de muscu, ça. T'es pas marrant comme ça, mec. Ça, regarde, ça a travaillé les trapèzes. Les abdos fessiers. Les abdos fessiers, ouais. Les trapèzes dans le dos, je suis pas sûr. Hein. J'en sais rien, puis je m'en fous. Que j'ai fait le mec qui allait à la muscu avant, mais comme je suis gros, pff, ça jamais de rien donner alors. Voilà, merci Jérémy. Le Graal emporte toujours au bout d'un moment quand même. En temps, je sortais de la salle, j'allais au McDo, alors c'est sûr que. Ah, t'as vu, la team de Yann, c'est CGFG. C'est par rapport à Century's Game, c'est ça? Ouais. Century's Game, Fabien, gay. Panique-le, frère. Je fais de la merde. Mais ouais. De toute façon, je suis une merde. Ah ouais, carrément. Je suis une putain de merde. Ah, ça ressemble à rien ce que tu fais. Mais grave. Je suis nul à chier, quoi. Mais ouais. Regarde. Voyons ce qui se passe. C'est I2, c'est I2. Et on peut voter, là. On s'en balèque, au pire. Ouais, on s'en fout. Ah, ok. C'est bien. Non, mais elle est nulle celle-là, les gars, sérieusement, Genesis, elle est vraiment nulle. Votez bon, pas pour bah, autre chose alors. Langage. Tu sais, il commence comme sur Rimbo, quoi. Pourquoi il dit quoi comme connerie là? J'adore ça. Triche. Damien. Ah, c'est Damien. Oh, ah, mais il coupe toute sa vie. C'est quoi le problème là? Je te dis qui c'est, moi, t'inquiète. T'as vu, c'est. Ah, mais c'est moi encore. Tu fais des cuts, ça tue pas. Ah, mais il saute à sauter de ce gars. Dégage. C'est Yann. C'est quoi ce rire là? On peut pas se concentrer. Oh, quel horreur, le tir. Oh putain, c'était immonde. C'était immonde à chier, le quoi. Le bleu, quoi. Oh. Eh, coco. Putain, je suis bien. Ouais, on est là en fait. Ouais, bon. C'était Lisa qui nous dit. Après, je reviens encore. Eh les gars, concentration s'il vous plaît. Excuse, le mec comme les cons. Comme les cons. Oh non, 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 non. Mais bon. Qui c'est qui a pété? C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Je sais pas, ça m'a fait peur. C'est un chat? Un chat? Mais c'est un chat qui est en train de se battre! Non, mais il est mort ton chat! Derrière, hop, tu vois que j'ai. Oh là là, c'est pas ça que je voulais moi! Oh le mec il y va en lance-roquette quoi!
qui m'ont eu. Ouah, gado, gado, gado. Une foire de base, quoi. Ah non, ouais, c'est un gars. Si vous voyez un gars avec une arme rose dans le dos, c'est moi. Ah ouais? T'as viré ta cutie, Yann? Ouh! Il voit snap là, le mec il m'a mis un coup. Oui, 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 oui. C'est quoi ça? Oui, 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 oui. Oh non, mais pourquoi je suis. Et comment je me suis retrouvé un bazooka dans les mains? Tu vois? Oui. Tu vois, c'est pour niquer. Mais c'est quoi ça? C'est dans Star Wars ça? C'est un droïde de casse. J'ai fait tiap. Eh, c'est un droïde de Brice de Nice alors. Oh, tu l'as eu. Bravo, hey, mais là t'es chaud toi. Oh la. Mais c'est plus comme. Mais comment je m'en suis retrouvé avant le bazooka et à tirer. Ouais, j'avoue, j'avoue. 24-21. T'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas. 24-21, gros. Tu m'as dit qu'il faut jamais ça. Ah ouais. Oh non. Heureusement qu'il y a le montage vidéo. C'est vraiment la vie. Quand t'es nul au jeu, tu peux faire croire que t'es bon. Tu fais croire aux gens, t'y arrives en 10 minutes. Montage vidéo, c'est pour les escrocs. Il y a une bombe nucléaire, il y a une bombe nucléaire, il y a une bombe nucléaire. Cours, 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 Fabien, allez. Oh. Surtout, j'arrête pas de courir. Ah, il y a un géant. Eh, des moyens géants. Ah, y'a le géant, y'a le géant. Ah, je vais mourir, je vais mourir. Bah attends, on va faire le tour, Vautier, viens. Je vais mourir. Ouais, Jérémy, pardon. Des bonnes giflasses. Moi je mets. Vilaine, je sais pas ce... Vilaine que t'es, va. Vilaine. Coucou. On poursuit. C'est 8ème, hein. C'est pas la voix. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Le petit bouton là, tu accélères. Oui, d'accord. Le bouton là, tu freines. Tu freines. Oh. Ça marche pas. Tu tiens la manette en vrai. Oh, t'es gueulasse. Pourquoi ma manette, elle va tout le temps à gauche? Moi aussi, elle va tout le temps à droite, moi. C'est quoi cette merde? C'est quoi ce délire? Allo. Ah, c'est sympa, oui. C'est où cette merde? Elle accélère la voiture? Qu'est-ce que c'est que ce problème? Voilà, voilà, Centuries Game, comme d'hab, c'est pas toujours des imprévus, on vous en met plein les yeux, toujours un nouveau bug. Non, toujours mais. Quelque chose, je comprends pas là. Qui nique tout, vous êtes sur Centuries Game, abonnez-vous, vous partagez, hashtag vidéo pourrie, hashtag on nous trouve la merde, et hashtag. On fait votre vue. Hashtag. Je comprends pas là. Mais arrête. D'accord, parce que je suis en bas. Hein? Je suis en bas en fait. Wouah, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu tiré par les. Ouais, ouais. Par les poils du cul même. Tiré par les poils. Tu t'as regardé avant ou... miroir, miroir, tout ce que tu dis, ça retombe sur toi. Eh non. Et bah, bébé cadom que oula, t'es. Oula, oula. Voilà, tu fermes ta boîte de camembert. Tu l'ouvriras pour le dessert. Ah non. Ouais, oh là, j'ai là, pas là, eu le choix, quoi. Tu m'as pas laissé le choix, quoi. Je m'en fous, tu marques Jérém. Je te tabasse. Alors. Non, même pas. Oh, oui, je suis pas comme ça. Mais bah, si, je vais le mettre un. R1. Tchou. Voilà, un petit micro. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Fab et Jérém. Et on se retrouve avec un invité de grande marque, le gros con. Attends. Non mais arrêtez. Putain. C'est bon. C'est pas possible, c'est tout le temps comme ça. Ah mais lance la course avec le fixe, ça va être marrant.
Là, ouais, mais attends, je peux. Je peux pas si vous faites le bordel. Oh, non. Qui va rembourser la voiture là? Nous avons un message de Bringen of 2 qui nous dit super live, continuez les gars. Ah, sympa, c'est gentil, merci. Sympa, on n'a rien fait de spécial, mais c'est bien. Non, je rigole en fait, hein, y'a rien. Les zéro joueur. Ah oui, oui. J'adore. Comment ça à droite? Là. Là, là, mais tu mets un putain de point sur la carte, merde. Il sait pas comment faire. Il sait pas comment faire, je crois. Il a mis pause. Il a mis une pause. T'as besoin d'un monde d'autre. Il pose. Mais non, t'es allé trop loin là. Mais non, je te rejoins. Mais je comprends pas, je suis avec Mike. Je comprends pas, je suis avec Michael dans le jeu. Oh putain, fil de merde là, bande de bâtards. Oh, bon, je vais le tweeter à la gendarmerie nationale. Ils vont féliciter, ouais. Bah ouais. Moi je suis content pour son téléchargement, hein. Bravo. Hein. C'était mal de télécharger illégalement. Bravo à la police. Bravo à nos policiers. C'est pour ça que t'as un disque dur de 2 Tera rempli. Mais. Oh, n'importe quoi. Déjà, j'ai rien à gagner. Déjà j'ai un disque dur de 1 Tera rempli. Merde. Et Fabien tu dégages. T'as vu le faire là. C'est moi qui me suis fait avoir en plus. Et Fabien tu peux m'aider? Ah bah attends j'emmène Jérémy et j'arrive. Ouais non, mais je suis bloqué là en vrai. Ah. Bon courage. Essayons d'être d'être calme. Ouais voilà. Merci. Mais non je suis encore bloqué. Oh putain. Je suis bloqué. Mais non, c'est pas. Mais comment ça arrive ça? J'arrive à bien t'inquiète, c'est pas mon site. Oh, il m'a tué! Attends, prends sa manuelle, prends sa manuelle! Ah merde, on peut pas. Non, tu peux pas, je vais vous détecter de toute façon. Attends, la tabasse. Éteins ces quêtes. Police. La dame Lonzo. Hey, Lonzo, c'est pas parti pour le lycée encore. Tiens, ça c'est pour zone téléchargement. Enfoiré. Et Miguel Claude aussi. Hein. Ah putain, j'avais oublié Miguel Claude, t'as raison. Et c'est pour Redlist aussi, ça. Tiens, voilà. Ça c'est pour YouPorn. Ça c'est fait. Bon, et je pense que ça sera infini, hein. On n'arrêtera jamais. Putain, on peut pas partir en vacances tranquille, quoi. Le mec, il partait tranquille avec son copain de cœur et tout. Attends, viens, Jérém, je t'emmène. Viens. Ah, vite. Bon, viens prendre une bagnole de flic, viens. Vas-y. Prends le cartier longtemps, hop, voilà. Quel enfoiré! T'en es mort! Ah, tu t'es mis devant! Vous allez détruire ma voiture. Salut Michel Santos, 15-7. Il a dit hi! Alors, je sais pas si c'est un anglais ou si c'est un kikou. En fait, il a dit hi. Non, il a dit hi. Hi, pas hi Hitler, hein. T'imagines? Hi. Arrête. On va aller arrêter ce jeune homme là en excès de vitesse, monsieur. Vite, on le poursuit, ça suffit. Ça va trop loin. Eh, Michel, dépêche-toi là, j'ai un 402 là sur la 17. Il m'a raté. Comment il m'a raté la Hitler? Il m'a raté complètement quoi. Voilà. Comment c'est fait que t'as explosé comme ça? Ouais, j'en ai mis trop j'avoue. Mais je pensais pas que c'était si long. Damien, j'arrive. Bah ouais hein. Easy. Ah bon, j'ai l'inspiration de Fabien. Ouais bah coucou Damien. Te rappelle. Ouais.
tranquille. Parce que du coup, la moto après elle a du mal à avancer. Hein. On va pas se mentir. Non. Bien qu'on pourrait. Bien qu'on pourrait, c'est bien. Je prends l'aspiration, Damien. Coucou. Et voilà. Ah, y'a Krik. Y'a Krik en face. Hein. Ah, c'est bon, je suis bon là. Dégage. J'aime le système. Dégage. Ah, non, c'est pas bien. Et pas de triche. Ok, ok, ok. Non, non, pas de triche, Damien. C'est toi qui m'as poussé tout à l'heure. Non, non, tu m'as poussé là. Ouais, ouais, ouais. Dégage. Arrête. Casse-toi. Ah, ah, il a poussé. Tu m'as poussé, enfoiré. Non, je l'ai pas poussé en plus. Oh, si, tu m'as poussé. Dégage. Damien. Ouais, merci, il m'a laissé la place, le mec. Par contre, vous êtes. Putain, il prend l'inspiration, enfoiré. Vous pouvez carrément voler. Quoi ? De quoi ? Quand vous faites un grand saut. Oh la foire, non, 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 non ! Ah putain ! Et Fabien, ça te fait peur, hein, franchement, là, vas-y, vas-y. Je rage. Non, vas-y, non, vas-y, fous-le en l'air, comme ça, je double. Non, mais Fabien, ça te fait pas, c'est de l'anti-jeu. Hein. Damien ! Arrête, Jérôme, non, mais ça te fait pas, là. Moi, je vous parle. Ah non, pas à l'eau. Eh non, eh, mais c'est de l'anti-jeu, votre truc, hein. Eh, c'était qui, ça? C'était Fabien. Ah. Oh putain, à la fin, les boules, quoi. Damien, elle foutait la pression tout seul, quoi. Oh, dégage. Non, mais ils ont triché, hein. Pour moi, je suis le vrai gagnant, c'est bon. Le vrai gagnant. Le vrai gagnant. Eh, va te shooter, Damien, va te shooter. Oh, purée. Non, mais ça vient en vrai, la mission. Et on fera pas le braquage aujourd'hui, hein. Ça, j'arrête. Non, j'arrête, c'est bon. Allez. Oh putain, il m'a mis dans l'eau, lui. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais j'ai pas fait ça, Damien. Ouais, ouais, tu m'as écrasé encore là. On l'a pas fini parce que justement, Fabien, il faisait ça. Ouais, voilà, mais, bon, que... Fabien, mais j'ai rien fait! Mais j'ai Oh putain, il m'écrase lui aussi là! Ah, oh non! Qui c'est qui nous a tués? Ah, c'est un mec. C'est l'hélico! Dégage! Oh putain, fais des doigts! Damien, dis-lui de plus faire des doigts! Non, mais les doigts, ça va! Les doigts, c'est pas les actions qui t'énergent! J'arrête, c'est bon. Viens le gros sur son poil. Attends, je vais tabasse. T'as qu'à pas être gros. Voilà. Oh, c'est quoi cette discrimination, Fabien? Quoi, Xia? Oh. Tu peux pas être discriminateur dans les discriminateur, jeux. Discriminateur, t'as dit? Non, je l'ai inventé. T'as un problème avec ça? C'est pas une traque. C'est quoi, Fabien? Arrête. Bah, j'essaye de me garer, j'ai jamais été bon au créneau, ça va. On va pas y passer la nuit. Putain. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Et recommencez pas là. Non. Oh putain, il m'énerve. Non mais on est tous fatigués là. Il me fuit. Mais pourquoi tu me fuis? Pourquoi tu me fuis? Mais arrête! Je veux plus stifférer, j'ai l'impression. Je suis tombé, quoi! Et y'a l'hélico, y'a l'hélico, hein! Copain! L'hélico, elle est morte! Le mec pour m'échapper! Le mec pour m'échapper, il s'est carrément suicidé, quoi! J'ai pas dit. Moi je me suis suicidé. Hein. Au revoir. Non, non, on fait, on fait, on fait, on fait. C'est bon, c'est bon. On fait. Eh, c'est bon, j'arrête, hein, moi. Ah, mais arrête, on fait sérieux, Damien. Oh, mais je vais tomber, arrête.
Non, t'as raté, comment t'as raté? Oh le nul. Regardez-lui, il est nul. Putain, j'en ai marre du racisme anti-blanc. Tu t'en sors l'autre, là. Ça se fait. Merde, oh le con. Oh putain. Oh, très bien. Oh non, bah, c'est mort, on a qu'une vie, là. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Solidarité, dégage. Là, il va faire un clown, voilà. Très bien. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les lupos. Ah, zut, j'arrive. Coup proche, il est là. Ah, il est là. Au secours, ah merde. Ah bah voilà, voilà, c'est la mort. Ça y est. Je lui dis, hein. Bon, sur ce, on va... Mais je pensais pas qu'il était si près, en fait. Bah, il y a l'hélico, il est là, il est tout proche, il y a l'hélico, on est mort. Bah, j'avais pas entendu, voilà. Ouais. Avec le bruit de la moto, on entend rien. Ouais, mais c'est un deux temps, ça fait du bruit aussi, c'est chiant. Des abonnés, vous savez ça, par contre. Ouais. Ils sont plus à Bobouche, quoi. Et donc, oui, ce jeu, c'est vrai qu'il a l'air joli pour les ah, bon bouge, t'as compris. Eh, hey, Jérôme, vas-y, continue à meubler. J'ai dit à... surtout parce que donc, oui, donc c'est un jeu voilà, en 2009, développé par Criterion. Elle est copain Criterion, voilà, super. J'ai dit à bon bouge. Non, franchement, pour un jeu de l'époque, c'était vraiment pas mal. Il a crié Terion, quoi. Non, franchement. Il a crié Terion. Moi, je suis impressionné parce que franchement, reviens pas. Ça sur PS2, à la limite, pourquoi pas dans les débuts de l'Xbox, mais là, je suis vraiment. Ah, bah, c'est bien s'il meuble comme ça, je ferais ça plus souvent. Ouais, super sympa, franchement. Ouais, que dire, moi, c'est sympa parce que finalement je découvre des jeux comme ça auxquels je n'ai pas joué et auxquels finalement je pourrais jouer. Bah, la chaîne te permet de commencer des jeux, voire de les recommencer. Voilà. J'étais très recommencé. Parce que quand j'étais recommencé, j'adore jouer aux jeux, merci aux jeux, je chante les jeux. Ouais, c'est justement pour ça que tu me l'avais vendu et te rapproches pas comme ça. Petite en plus. Voilà, c'était le jeu. Tu me semblais vachement troublé. Oui, tu me perçois. Et comment tu fais pour le supporter? Et ça te gêne si je fais ça? Ah bah c'est... Faut prendre sur soi hein, pour le supporter, c'est pas évident. Hein. Tous les jours c'est pas évident. Et oui, je me rappelle... C'est particulier. Sa vieille gueule. Et je me rappelle aussi que ce jeu, pour tuer les ennemis aussi, des fois c'était très long. C'était ça, oui. C'était très long pour tuer les ennemis. Je me rappelle, fallait leur mettre pas mal de bastos, quoi. Ouais. Pour tuer les ennemis, c'était très long pour tuer les ennemis. comme ça, si vous voulez, immeuble, il fait deux phrases, il dit ça passe bien, alors qu'en fait, il... Non, c'était comme ça que tu me l'avais vendu, hein. Ouais. Je me souviens que dès la deuxième mission, ça commençait déjà à... Je pourrais vendre des jeux, toi, vraiment. Ouais, chaud, je fais trop de thunes en ce moment. Ça t'intéresse pas? Si tu veux, j'ai PES10. Il a envie de faire chier. J'ai FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, enfin j'ai tous les FIFA jusqu'au 16, mais évidemment. Ah bah si le 16, je pourrais te le vendre parce que je vais acheter le 10. J'en ai marre ce mec. Non mais je te fais tous les FIFA 100€. Les filles dans les armes, c'est. Mais parce que monsieur est spécialiste en pistolet à billes. Dites-moi en plus. On va éviter d'étaler celle-ci quand même. Donc voilà. Le petit mot de Jérôme de la fin. Il est vraiment beau hein, pour un jeu de l'époque, franchement. On l'a déjà dit. Ouais, les graphismes sont bien. On l'a dit. L'IA bof. Et les chargements sont bons. Merci Jérôme. Voilà. Voilà. Il y a du saut et également du multijoueur en écran scindé. On peut passer un petit passage sur le mode gore. Ouais, je sais pas ce que je peux dire de plus quoi. T'avances. Bah d'accord. Bon, je vais y aller hein. T'avances, tu tires du coup. C'est ouais, t'avances, tu tires ta ligne. Ouais. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir quoi. C'est les bases mêmes du jeu. Hein? À gauche? Ah oui, non, je crois que tu parlais de la meuf. À gauche, mais... Putain! Putain! On est dans le vent. Oh putain! Oh putain! Ok, la porte est verrouillée de derrière, mais c'est des trucs qui bloquent la porte. Ouais, c'est ça! C'est des genres d'araignées de. Ah putain! Mais j'en veux plus, moi! Oh! Tiens, ton gros cul là! Salope!
Alors on se retrouve encore une fois avec l'incroyable, le grand con Jérémy Vautier. Merci, merci à tous, salut à tous, c'est à vous de faire foutre. On peut dire que c'est finalement un jeu qui était assez avant-gardiste. T'es courant que t'es pas drôle? Avant-gardiste, parce que le jeu s'appelle avant-garde. Ouais. Comme dans la petite cinématique qu'on a vu tout à l'heure, en, ouais. En appuyant sur concentré. On commence le boss qu'on a fait tout à l'heure ou... Non, on l'a débloqué celui-là, c'est bon. Ah, oui. Ok, de quoi sauvegarder quoi? Je sauvegardais Conrad. Conrad. Bernard Conrad. J'ai compris Connard, moi. Ah non. Bernard Conrad, mais bah qui oui, c'est celui-là? Mais c'est un grand politicien très connu. Alors attends, Bernard Conrad. Non, alors tu trouves pas sur internet parce qu'en fait. Attends, je vais chercher hein, parce que si non. Je connais pas, je pense que les autres connaissent pas. En fait, il a été interdit d'internet. Il a été interdit d'internet? Ouais. Mais attends, on est pas en Corée du Nord ou du Sud, je sais pas. Du Sud. Alors Bernard du Nord, non parce que en fait non bah, c'est, oui un tu politicien comprends. Tu disais oui alors en fait il est politicien. Putain, mais il a fait pas d'autres trucs aussi. Mais bon, enfin c'est pas politicien mais il y a effectivement un Bernard Conrad à qui on passe le bonjour on va le montrer. Il y a effectivement un Bernard Conrad. Voilà. Hein, on vous mettra l'image à l'écran. Je ne sais pas qui est ce monsieur. C'est apparemment pas c'est un syndicat des équipements de la route. D'accord. Bernard Conrad. C'est bon à savoir ça. Ouais. On va faire la course tête de mort. Et ce n'est pas une course en ton nom. Oh, voilà. Vous avez les boules de protection verte. En gros, c'est l'étoile. Force. Voilà. T'es pas obligé de tout comparer à Mario, gros con. Un petit dernier point, on est bon. On est bon, les gars. On est con. Team femme, on est là. Team con, on est con. Pouce bleu, pouce vert, pouce orange. Voilà. Pouce tout ce que vous voulez. Voilà. Poussez. Madame. Et commentez. Et commentez. Partagez. Ah. Et like. Okay. On a fait le tour. Facebook, caramel, tweet, SMSN. Bah, c'est bon, regardez, bisous, salut. Porn, bisous, gros. C'est quoi hein? C'est quoi, Jérémy? Comment ça fait que j'ai pas vu ce que t'as pris? Parce que j'ai été trop vite. Non, mais t'as pris qui? Non, c'est pas juste ça. Moi, je veux savoir qui t'a pris. Oh là là, il est vicieux t'as ce pris, mec. T'as pris. Vegeta, Goku. Ah ouais, alors. Vegeto. C'est normal! Ouais, c'est Végéto ça. C'est Végéto, normal! Végéta Super Saiyan 4! Non, Végéta Super Saiyan 4, t'es ouf toi! Ah ouais, ça va. Et c'est un normal! Quel bien! Oh le bâtard! Ah ouais, bah, je l'ai pas vu arriver celui-là. Je l'ai pas vu arriver. Je me suis entraîné, je t'ai dit. Et bon, là, je me suis un peu entraîné quand même pour ce rematch. Pas moi. Ah, il va piquer celui-là! Ah, ça c'est le. Merde! Ah putain! Oh! C'est bien ce que ah, joli! On prend une petite technique, est-ce que Jérémy va esquiver? Bah alors! Qu'est-ce qu'il fait rien? Mais que fait la police? Il semble déterminé. Vous pouvez lire la petite description sur son front. Oh, si, merde! Oh, ça va, c'est fou ça! C'est un genre de course combat motorisé, hein, comme on peut voir sur la gueule. Ouais, combat motorisé. Il a sorti combat motorisé ouais. Quoi. Bah, c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est. Enfin, oui. si c'est moi, ah, oui, non, parce que peut-être ça t'allait dire. Non, je l'ai comme dire, si tu l'avais non. Pris quel, de quelqu'un, enfin, de quelque chose. Absolument pas. Je me disais quand même, ce serait un peu de l'arnaque, voilà. Tu vois, pour les gens donc, qui regardent et tout. Donc, ça s'est étendu sur les consoles de. Console de salon. Salon. Voilà. On a pas besoin de mettre 3 heures pour dire ah putain de mots. On a besoin d'un truc pour beaucoup, voilà, c'est ça, pour de la constance. Ouais. Voilà. Le commentateur américain Paul Page qui a prêté sa voix au jeu. On s'en fout. On s'en carre. La bande originale, c'est du jeu. Bruno, c'est réalisé Basile, par des groupes du genre trash metal comme Joug et Tuscan. Ouais, et Joule. Hein, Joule. Ouais, et Joule qui était très présent à l'époque. Voilà, dans ouais, les jeux ouais. Et si on en croit le site YouTube, le record de la plus longue survie en arène, le mode total destruction, serait détenu par un Français. En fait, ouais, tu mettras la vidéo en. Non. Ok. Et par rapport aux notes et références, SCEE Press Office, consulté le 5 mai 2008, et Destruction Derby de World Records sur YouTube, Ghost JPDT75, pseudonyme YouTube 2007. Ok. Bah merci Jérémy pour ces informations très utiles et très pertinentes. On va vous montrer peut-être un autre mode. Attends, non. Viens. Merci à vous d'avoir regardé, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. La bise, salut tout le monde. Gros bisous, adieu. Tu m'as pas fait un doigt là. Ah non. J'ai eu l'impression. Ah non. Ah non, parce que en plus je voyais dans le truc donc.
Pin. Moi j'en ai pris plein la gueule, c'est quand si on commence à changer de cap, parce qu'en général on est à peu près à 4.